Va jamais me lâcher. Bisous. J'y crois pas un seul instant, mais bon. On sait jamais. On sait jamais, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Re-nightmare, re. Allez. C'est parti. Yo Blazer, comment on va? Enfin, comment reva? Allez, une dernière prière pour la 4G. Je sais pas comment on fait, moi, c'est des trucs de... Bon. Chacun son... Chacun sa pratique. Et moi c'est le métal. Voilà. Le métal, c'est bien parce que tu peux prier dans n'importe quelle direction. Ça, c'est bon. Hop, hop. Petit retour au cas où. Écoute, ça va toujours aussi bien. Toujours aussi bien, toujours petit. Bon allez, par contre, faut pas flancher là, parce que là la mission est taquine. La mission taquine. Là faut gérer la fougère. Donc on va voir. On va voir ce que nous dit cette mission de l'amour, cette mission du décès certain. Parce qu'à mon avis ça va durer. Alors je peux peut-être commencer directement par un trou. Ça sent la fin, j'aimerais bien. Peut-être commencer directement par un trou. Non. Non, non, c'est pas une bonne idée. Oh putain. C'est pas une bonne idée. Vais-je finir le jeu aujourd'hui ou demain? J'aimerais vraiment qu'on le torche ce soir, ouais. Ouais, franchement, ouais. J'aimerais vraiment qu'on le torche ce soir. Ce serait vraiment top. Ce serait vraiment top quoi. Pouvoir changer de jeu, ce serait cool. C'est quand même 19h sur le même jeu. Je pense qu'il y en a moult qui en ont plein le cul de ce jeu. Bon, moi ça va, j'aime bien Worms, donc ça passe. Et j'ai vraiment envie de le finir, ce serait cool. Ce serait cool. Du coup, on va se faire une protection. On va plutôt la faire comme ça. Allez, Re-Wolf. Re-Lego. Installez-vous. On va plutôt la mettre comme ça, la protection. Et puis après, on va commencer à faire des tranchées. En fait, les deux premiers tours, ils sont traîtres parce qu'il n'y a pas d'objets encore qui apparaissent. Les premiers objets intéressants, ils apparaissent au bout du deuxième tour. Et là, on peut commencer à claquer. Du limite, je pense que c'est l'heure de truc où il faut survivre le plus de tours possible. Parce qu'à chaque fois, il y avait des nouveaux objets qui tombent. Des objets qui nous permettent d'attaquer de loin. Genre le pigeon voyageur, toutes ces conneries. Yo Hyperion, comment va? Hyperion, tu vas peut-être assister à la fin de Worms ce soir. Ou peut-être pas. Ou à la fin de ma 4G aussi, c'est pas impossible. Alors, on a quoi là? Du coup, ils attaquent pas. Bah, du coup, ce qui est bien, c'est que là, ils ont pas attaqué. Donc, on va se faire une double protection. Voilà, comme ça, on se protège de l'explosion si jamais. On avance un peu. On le tente. N'oublions pas mes amis, toutes les 15 minutes, une petite prière bigorneau pour la 4G. 4G, la 4G, la 4G. Fin de la 4G tout à l'heure. Bon, après ça va, je crois avoir compris le principe. Faut que je redémarre tout en fait. Dès que ça déconne, je cherche pas à comprendre. Je perds pas de temps. Oh, bien joué. Mais non, moi j'ai pas pris de dégâts. Le principe c'est je redémarre tout. La 4G, le PC, le cerveau, limite le compteur de du quartier. Oh putain le con. Je fais n'importe quoi. Allez, respecte-toi bordel. Non, on va rester là. Plus malin. Deux secondes. Oui, c'est bon. Ça va, nickel. Voilà, on va redémarrer le compteur EDF. On va tout redémarrer. Je cherche même plus à comprendre. le truc de génie, quoi. Ça, tu sens le. Ça fleure le génie, quoi. Tu verras d'ici quelques temps.
J'en ferai un argument de vente. Le premier stream à la 4G débridée. 4G fait ça, fait ce qu'elle veut, tu vois. C'est vraiment la récréation pour tout le monde, y compris pour la 4G, quoi. Récréation générale. Ah putain, oui, le timer. Bien vu les gars, bien vu. Bien vu. Oui. Voilà, très bien. Très bien. Des attaques totalement inutiles. Donc c'est la bonne technique. On se protège. On se protège, on attend les objets. À la limite même, je vais commencer à creuser de là. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez redémarrer la centrale, j'ai problème de... Oh, c'est rien ça, c'est rien. Je crois que j'ai pas bien géré mon truc, quoi. Je crois que j'ai le bon filon. Oh le con, on va pas le finir ce jeu. Si, on va le finir. Ne creuse plus jamais, c'est clair. Deux fois que je creuse, deux fois c'est la merde. Pourtant il faut creuser, hein. Tous les objets, regardez, les objets ils sont dans les trous. Les objets sont dans les trous. Ah, heureusement, dès que tu commences à mettre des obstacles, ils visent très mal. Mais si tu mets aucun obstacle, les mecs ils visent trop bien, quoi. Putain, le problème c'est que je peux pas creuser là, il y a cette merde de... Ah bah attends, on va tenter le placoplâtre. On tente le sombrero malgache. Eh non, je peux pas. Oh, je peux tellement pas, quoi. Alors attends, dans ce cas là, on se chie pas. C'est clair, les worms ils me respectent pas, quoi. Les worms ne me respectent plus. Je vais aller vers l'ennemi. Est-ce que j'ai un drill? Non. Je suis mort. Je tente des trucs, mais c'est pas gagné. Putain, je commence à laisser les... J'entrepose les tasses ici, c'est n'importe quoi. Après, on cherchera les tasses. Oui, mes frères, cherchez-moi les tasses, mes frères. En plus, là, si j'avais un bon truc, là, je serais refait, là. Meurs. Tout le monde meurt. Fuck. Tu veux tasser le jeu. Ah non. Enfin oui, ce serait bien à la limite. Jouer comme un robot, quoi. Que des strikes. Faudrait que je mette un petit mod pour mettre des bigorneaux dans le jeu. Un lancer de bigorneaux. Toi la grenade sainte, ce serait un bigorneau, en fait. Voilà. Ou alors non. Des bigorneaux aériens. Mais bon. Toujours rêver. On peut toujours rêver. Ça coûte pas cher. C'est mieux que gratuit. Allez, petite défense. Ah, peut-être si je descends. Ah, je sais ce que je vais faire. Quand je vais descendre chercher l'objet, je vais me mettre sur la deuxième barre du E. Je vais commencer à creuser de là. Ça travaille, t'as vu ? Les connexions se font doucement. Comme ça, au pire, j'en mets un qui est en haut mais qui essaie de se protéger comme il peut. Non, pas rip. Ne me faites pas des feintes, s'il vous plaît. Pas de feintes, je vous prie. Soyez pas désagréable. Ça peut très bien se passer. Donc je vais en laisser un en haut qui va se protéger, qui va utiliser les objets que l'autre en bas va récupérer. Voilà. Là ça peut être sympa. Donc du coup on va se faire ça là, comme ça. Voilà, méga protection de la mort. La protection de la muerte, si.
Je suis muerte, la mort. Pas morti, muerte. Pas de vacances pour les blues. Très bon film, enfin très bon film. C'est une bonne comédie, à l'ancienne. Avec des acteurs qui ont eu leur notoriété, mais... qu'on a vite oublié. En fait, si vous regardez Pas de vacances pour les blues, vous allez reconnaître les deux acteurs principaux. Et c'est là que vous allez vous dire, putain, ouais, c'est vrai qu'ils avaient existé, eux. Mais voilà, c'est des genres de mecs, c'est les Kev Adams américains, les types, quoi. C'est des mecs qu'on va connaître 5 ans, puis après... qui, ça? Jean-Francis Adams? Eh, salut, Paolino Gamma, comment on va? Oui, oui, la co va mieux, pour l'instant. Pour l'instant, n'oublions pas de prier la sainte connexion, de lancer des bigorneaux vers la connexion toutes les 15 minutes. Mais non, mais quel con! Tout va bien. Tout va bien. Oh non! Oh putain, mon cul est un geyser. Twitch qui me demande mon âge pour venir sur ton live. Ah bon? Salut Kalagan, comment on va? Effectivement, c'est pas mal. Alors, t'as mis quoi? T'as triché ou pas? Putain, il a quand même réussi à passer, l'enfoiré. Très bon. Très très fort. Tu as mis un an, très bien. Voilà, deux de moins. Ah, faut pas m'emmerder. Ah non, faut pas commencer à me péter les rouleaux là, parce que ça va pas aller. D'accord, bon, au moins c'est pas moi. Attends, ta connexion est galère encore. Décidément, je me sens moins seul. Ah, il y a des chances qu'ils te demandent ton âge pour ton propre stream, oui. Salut Sampo, comment on va? Sampo Kenjo. Avec le petit, la petite voix graveleuse et l'accent japonais. Sampo Kenjo. Oh. Ouais, faut que je le mette plus bas. Faut que je le mette plus bas, mais je pense que j'ai trouvé la technique, ça y est. Oh là là. On a un papillon de nuit dans le stream. On fait comme si on l'avait pas vu. Tout va bien. Je sais que vous streamez, mais avez-vous bien 18 ans? Touchez-moi! Le double de ce. Shingen Sozobi. Ah, la Mitsurugi. Ori ori. Faut que j'arrête. Faut tellement que j'arrête ça, quoi. Ça part de là. Là, il pourra pas me niquer. Là, s'il me nique, bah, je vais pleurer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? S'il me nique, pas doux. Papillon de nuit, ça me fout trop les jetons. Ouais, c'est clair. En plus, s'ils viennent, ils butent comme des cons sur la lampe. Je les comprends pas, les papillons de nuit. Il y a certains insectes que je comprends pas, que je comprends, tu vois. Genre le moustique. Ouais, le mec il vient, il pique. Hop, c'est bon, il est rassasié. Il se barre, tu vois. Salut Yoichi, comment va? Le papillon de nuit, je comprends pas. Le but de sa vie, c'est de buter contre les ampoules. Tu. C'est un concept. Oh, il est bon. Oh, il est bon. Ton patron, il t'a demandé quoi? Est-ce que les personnes qui seraient intéressées par ces trois postes? Conseil de communication, design. Il y a un mec à l'accueil. La guêpe, non. L'abeille, oui. L'abeille, évidemment. L'abeille, le miel, tout ça.
Giant Coucou, enfin bon, tout ça je comprends évidemment. Et le Bourdon. Ah, si c'est un Didier Bourdon, je comprends, ouais. La coque et les putes, bon. Oh, c'est sympa. C'est bien même, c'est bien, ouais, on peut le dire, c'est bien. Le Bourdon, c'est le même taf que l'abeille. Le Bourdon aussi, il fait de la myéline. Il fait du mielu. Il fait du mielu. T'aimes pas les insectes? Ils sont sympas les insectes pourtant. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi quoi. À un moment donné, bon si... Voilà, on se fait pas arnaquer, on lâche tout. Oh, ça parle mal des mamans, c'est pas bien ça. Attention, moi je vais vous mettre un lien avec Watibé chante pour les mamans. C'est pour les mamans. Les mamans. Ouais, c'est pour les mamans. Maman. Parfait. Du coup, les abeilles dans RE1. Les abeilles dans RE1? Les abeilles dans R1, putain, tu me fais un... Tu me... Oui, les araignées, c'est cool. J'ai mis du temps à faire comprendre à ma femme que les araignées, c'était cool. Parce que nous, on a une... comment? On a une... Enfin, c'est pas une véranda. Mais en gros, on a une baie. On a une baie pas fermée. Et au-dessus, là, sur les jointures et compagnie, il y a des toiles d'araignées avec des méga araignées. Je dis, putain, laisse-les. Tu vas voir que l'été, on va pouvoir manger là tranquillou. Les moustiques, ils vont tous finir là-dedans. Là. Ah mais oui, putain, oui. Oui. Attends. J'ai un semi-doute. J'ai pas un doute complet, j'ai un semi-doute. Est-ce que c'est pas juste sur la version Rebirth? Est-ce que c'est pas juste sur la version Rebirth? Oh, ça m'aurait dû. Ouais, ça m'aurait dû. Est-ce que c'est pas juste sur la version Rebirth? J'ai un maxi-doute de l'amour. Ouais, ces deux-là, ils dégagent. Ouh, ça a failli. Oui, deux de moins. On a la bonne technique. On a la bonne technique. Oui, c'est forcément avec Jill. De toute façon, si c'est... comment? Et je me rappelle de ce passage, mais je le visualise sur le Rebirth. Je le visualise pas sur l'édition classique. Bouteille de déo et un briquet, au revoir les insectes. Okay. Oh, c'est sale. C'est extrêmement sale tout ça. Raté. Bien sûr, va à mes ordres. La base. Pourquoi s'arrêter ce con? Non, c'est pas un run au couteau, non. Non, pas couteau. Pas couteau. On va pas passer encore 24 heures sur un jeu. Personne ne veut ta bite. Personne. Putain, faut que je me trouve un filtre pour les gros mots à Callaghan. Que ça mette des mots doux à la place. Je vais mettre un espèce de filtre dès qu'il dit une horreur. Ça va mettre un autre truc. Hein. Qui veut mon amour? Qui veut ma brouette? Le poseur de box internet. Fuego, ça veut dire feu, évidemment. C'est la base. Si c'est pas ça, t'as rien compris. On va se refaire une méga défense de la mort. Là. Ah ouais, je mets Bigorneau à la place des gros mots. Oh, c'est une très bonne idée, ça. C'est clair, Felindra tête de tigre et tout. Ouh, ouais, remplacer tous les gros mots par Bigorneau. C'est parfait. C'est bon, c'est vendu. Dès que je peux, je regarde comment on fait. Dès que le mec dit un gros mot, paf, Bigorneau.
Resident Evil 2, un tofu run. Ouais, mais à la limite, comme j'ai dit, je crois que c'est à toi que je l'avais dit. À la limite, le tofu run, plutôt le faire en. Comment en run bonus. Vraiment se focaliser. Moi, j'aimerais vraiment me focaliser sur les scénars principaux, quoi. À chaque fois. Roaming Sire. Te paye le permis. Oh oui. Cadeau, le permis. Moi, je trouve que c'est propre. Hein. Mais bon. Ce n'est que mon avis. Évidemment. Les 4 scénars seraient moins longs que Worms, certes. Bonjour, bande de bigorneaux, je bigorne dans le bigorneau. Ouais. Bah ouais, mais carrément, moi c'est plus drôle. C'est plus drôle, on se doute de ce que tu dis, mais on ne le subit pas. Ça c'est bon. Des posters Amiga. Peut-être. Peut-être, mais faut que tu sois aux alentours de Narbol. Lui il va mourir. Oh merde, je voulais trop qu'il tombe dans la flotte. Vengeance. Je voulais tellement qu'il tombe dans la flotte. €15 le permis en Belgique. Allez, on va tous passer le... Enfin, moi je l'ai, mais les autres. Allez, on va tous passer le permis en Belgique. 15 balles. Franchement, 15 balles, ça passe. 12. Oh les enculés, pourquoi ils ont des grenades de ouf? Pourquoi ils ont ce genre de grenades de ouf? Voilà, toi tu meurs. Ah putain, mais lui aussi il meurt du coup. Imbécile. Oh là là. Alors là je peux tenter le placoplâtre. Je peux tenter le placoplâtre, je vais le tenter d'ailleurs. Le tout pour le tout, alors sauf si bien évidemment je ne peux pas passer en dessous. C'est bon. Attends, ça fait 10 ans, ça fait... ouais, ça fait 12 ans que j'ai le permis. Hein. J'ai perdu un point une fois. Mais je l'ai récupéré de suite parce que j'étais en intervention. Cet enculé de flic, il a rien voulu savoir. Je te ferai la peau. On verra. You will regret that. On va se mettre bien, c'est 2000€ les cours. 2000€. Enculé. Ouais, le flic. Alors attends, parce que faut savoir, les ambulances, vu que maintenant c'est que du privé, les flics ont le droit de te verbaliser si tu ne donnes pas au moment du contrôle. Et que tu as les sirènes, ton numéro d'appel SAMU. Le problème, c'est que ton numéro d'appel SAMU, tu le récupères une fois la mission terminée. Donc en gros, ils te mettent une prune. En gros, ils te mettent une prune. Et ensuite, une fois que tu l'as prise, tu finis ta mission. Et tu leur envoies le numéro d'appel SAMU. C'est une merde sans nom. C'est du foutage de gueule en bonnet du forme. Non, généralement quand ils voient qu'il y a un mec derrière, ils te font pas chier. Mais quand tu vas sur intervention, ils peuvent très bien te casser les couilles, ouais. Est-ce que j'ai gagné? Vengeance. Ah putain, si je meurs, c'est foutu, on est d'accord. Imbécile. Oh non, c'est bon, j'ai gagné. Une foule en délire lançait des bigorneaux. Genre la grenade, ouais. Bah c'est ça s'appelle de la moule. Enfin du bigorneau maintenant, on dira. Maintenant on dira pas t'as de la moule, on dira t'as du bigorneau. Allez la neige. La neige. On va le finir. Il reste quoi, une dizaine de missions max. On va le finir. Bah, faut le faire avec l'accent. Boom. Boom baby boom. On vote. Il est con. Yo Scat, yo Patakes, comment on va? Heureux. Oh putain, attends. Fais voir.
Fais voir ce que y a quoi, y a ça. Ah ouais, c'est que des combats de l'infini là. Magne-toi. Bah oui, mais t'es marrant toi. Magne-toi. J'ai pas autre chose. Putain, non, j'ai rien d'autre. Oh putain. Non. Nightmare et Kala, vous n'aurez pas le droit de voter au prochain jeu. Quand il y a vos noms au-dessus, en fait, vous pouvez pas voter. Histoire quand même que ça... J'ai tellement envie de te caillasser. Pourquoi ? Ah mais il est bien le jeu quand même. Ah, super. Ah super. Eh ouais. Qui a choisi Worms parce qu'il est pas doué? Mais je suis pas mal là, attends, je trouve que je m'en sors pas trop mal. J'ai failli me faire écraser en temps. Putain, ta femme, elle t'aime. Elle t'aime très fort. T'as failli te faire écraser, ça l'a fait marrer. Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon allez, on déconne pas là. Il faut vraiment que je comprenne vite ce qu'il faut faire et c'est parti. Parce que là, j'ai que le chalumeau quoi. Donc c'est bien, mais bon, je crois qu'il faut que je les pousse, faut que je leur mette juste un petit cachou avec le chalumeau à chaque fois, juste une petite poussée comme ça, ça les bute, petite poussée, ça les bute et on est bien. Damn, I'm good. Et merci Choncal pour le host, des bisous. Ça va, tranquille. Merde, j'ai pas eu le temps. Quand il y a une voiture. Ah ouais, tu te marres. Tu dis alors c'est drôle. Tu la pousses comme ça, c'est un petit coup de coude. Tec. Tu fais alors c'est drôle. Voilà, c'est ça. J'avais fait quoi comme médaille sur l'entraînement? Alors le premier, j'ai fait l'or. Et ensuite, j'ai fait argent. Argent, bronze. Et argent. Non. Ah oui! Zéro, quel mensonge! On s'en fout de ce qui a marqué là, moi. Allez, attends. J'ai confiance en toi, Shank. Oui. Douceur. Et douceur encore. Double douceur. Bien ou bien? Bien ou bien? Alors. Attends, que je réfléchisse. La vieille et le pistolet, ouais, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Damn, I'm good. Et merci Lord Wolf pour le host. Bisous. Ah, ça y est, ça va être. Il y en avait au moins 6894 millions. Grave, non, mais j'en suis tellement sûr. C'est la base. Sinon, c'est à partir de là que tu commences. Tu commences. Voilà, tu commences légèrement en dessous de 7000 millions. Puis après, t'évolues. C'est par palier. Troisième streamer français de quoi? Troisième streamer français. Alors je vais tenter. Juste une petite poussée. Non. Ah mais faut que je l'arrête. Faut que je double clique. Merci Nightmare pour le host. Mais tu m'as déjà fait un host. Pourquoi ça re-host? Là je filme. Là je... Relève-toi ta bête. J'aime bien ta femme. Plus tu m'en parles, plus je trouve que c'est vraiment quelqu'un de raisonnable. Sur rétro, ah, je suis pas premier, c'est pas cool. Sur rétro, faut que je sois number one, toujours. Sur rétro, faut que je sois un number one, numéro uno, tu vois. Du coup, tu me donnes envie de regarder. Ah non, je suis premier. Je suis la première chaîne française en rétro. Bon, on s'en fout, ça fait pompeux. Premier avec 24 phénomènes. 24 phenomena. En tout cas, merci, c'est cool.
Si la connexion tient, on est les champions. On est tous ensemble. Il y a genre une semaine, oui, c'est ouais, c'est vrai, tout à fait raison. En même temps, il y a genre une semaine, je streamais pas vraiment. Enfin, je streamais vite fait, quoi. Le double, elle est là. À presque tous les streams demain vers 11h, elle sera là, plein la tronche. Oh putain, 11h, je dors moi demain, t'es ouf. T'as pété le bras, t'as agressé dans la rue, putain, c'est joyeux. C'est super joyeux ce soir, les gars. Génial. Tout dans la joie et la volupté, quoi. Oh, je m'en fous. On s'en branle. On s'en fout, premier, troisième, sixième. Nous, on sait qui est number one. C'est Squeezie. Alors, je vais le tenter. Donc, je mets une pichenette, je me casse. Ah, mais je vais quand même prendre des coups. Je vais quand même prendre des coups. En fait, il va falloir que j'apprenne à doser. Un train qui t'est tombé dessus, non, c'est une blague. C'est une blague, c'est pas possible, t'imagines le truc de ouf. Ça fait combien de temps que j'ai commencé le marathon? C'est quoi, une semaine et demie, deux semaines? On en reparlera début mars, voir où on en est. Voir où... Putain, mais c'est pas possible. C'est même pas congé, de quoi tu bosses avec un plâtre? T'as même pas fait un arrêt maladie, un truc comme ça? En plus, si tu t'es fait agresser, tu peux faire... Enfin, je sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, tu fais un... Enfin, t'expliques que tu t'es fait agresser, machin, puis du coup, c'est lui. C'est le mec qui t'a agressé qui rince, quoi. Donc tout le monde est content, quoi. La boîte, elle a pas été payée. Toi, t'as des sous, puis l'autre, bon, bah... Hut, camembert. Hut, camembert, ça se dit, ça? Ah, moi j'en ai connu des patrons qui m'ont dit bon ça va, tu peux finir la journée. J'en ai vu, quoi. Bah oui, vite, c'est marrant, quoi. Oh merde, quel con. On recommence. Putain, c'est tendu ça. Alors, à moins qu'il faille que je le fasse de l'autre sens. S'il faut, c'est un piège. Il faut que j'aille doucement entre lui et la mine et que je le gratte un peu. Il est parisien. Ah, d'accord. 8-8 camembert, ça passe, d'accord. Très bien. 8-8 camembert. Enfin, hut, pardon. Hut. Alors, ça se dit comment? C'est comme Pingu là? Hut. Ouais, c'est parti. Six plaques d'égout tombées. Non mais vous arrivez que des trucs de ouf. Il vous arrive que des trucs de ouf, quoi. Putain, moi j'ai jamais eu. Mais jamais arrivé des trucs de ouf. Enfin, en matière de douleur, hein, bien évidemment. Après, moi je me suis pété moult fois la. Enfin, jamais pété les os. Ouverture. Je me suis ouvert les jambes et compagnie en skate, en roller. Toutes ces conneries, quoi. Un BMX, voilà, dès que tu veux commencer à faire... Mais non, mais... Oh, ça va pas me plaire, ça. Dès que tu commences à vouloir faire le malin, évidemment, quoi. Pingu, c'est nut. Un culte. Oh, quel dommage. Quel dommage, je ne connais pas Pingu. Enfin, si, je connais Pingu, je me rappelle juste pas du nut. T'as tapé à la barre de fer. Ah, c'est pas... Ouais. C'est pas cool. Ah, il y a bonne ambiance, là. Ça fait plaisir. Je suis beau, je suis petit. Oh my god. Putain, fonderie, moi, je pourrais pas. Alors, on va le tenter. Si je vais... Non. C'est pas comme ça.
Salut. C'est pas comme ça. La barre de fer. Ah putain, ça c'est Gad Elmaleh. Enfin, Gad et le Malais. Et Jamel Debbouze. Jamel Bedouze. Putain, mais c'est chaud. Je peux pas survivre à tout ça, moi, c'est pas possible. Oui, évidemment que tu vas le regretter. Il n'y a pas un objet, il n'y a rien, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment livré à moi-même, quoi. Bah oui, aïe. Mais genre, pour une fois, ça veut pas exploser, quoi. Vengeance. Ah, ce bordel. Merci, merci Casu pour le host. Des bisous. Host de qualité, encore une fois. Que des hosts de qualité. Quoi. Ah si, ça me plaît. Ah non, ça me plaît pas, non. Ah oui, traître. Et puis en plus, moi, je vais me faire exploser, évidemment. Oh, il m'en reste 3. Il me reste 3 points. En pétant la gueule en ski. Putain, ouais, mais en snow, je me suis ouvert moult fois, quoi. Allez, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Vas-y, donne tout, bordel, donne tout! Ah putain, non, pas là, je vais me faire buter. Je suis mort. Je suis mort. Je suis complètement mort, les gars, on est d'accord? Là, ça va chier des bulles. Putain, non, si je meurs pas, j'ai gagné. Si là je meurs pas, j'ai gagné. Hein, parce que je peux récupérer de la vie. Je suis mort. Très bien. Mon cul est un geyser. On y retourne. Deuxième. Ah, j'imagine que pour jouer, ça va être la galère, ouais. Si j'utilise le grappin pour activer la mine et repartir. Je pense pas. Ça a pas l'air d'être des remotes. Ça a pas l'air d'être des mines qui. Qui s'actionne et qui pète au bout de 2 secondes. Ça a l'air de péter direct celle-là. Donc non. Je pense qu'il faut vraiment trouver la juste dose. Vous savez, pour mettre la petite poussette au chalumeau et se barrer. On va voir. En tout cas, moi j'y crois, moi. J'y crois totalement. Faire des montées à coups de barre métallique, ça, je ne sais pas. C'est affreux. C'est atroce. Là, faut vraiment que je mette la petite pichenette en espérant pas trop morfler. Je peux rien faire d'autre là. Ah, t'es marrant toi. Voilà, pas mal. Pas mal, mais par contre, il va péter ce con. Il va me faire perdre de la vie. Oh là là. Mais je pense qu'il faut prendre des petits dégâts. On est obligé de prendre des petits dégâts. Sur le deuxième pareil, et après il faut que je récupère de la vie à mort. À mort. Muerte la mort. J'y crois. Malgré tout, j'y crois. Ouais, non, mais si je prends ça, c'est pareil. Je me fais chacaliser, quoi. Je te ferai la peau. Ouh, il me reste 5. Est-ce qu'il y a de la vie qui traîne? Non, pas avant le deuxième tour. Donc là, je suis plus ou moins obligé de faire comme je peux. Je pense que je vais faire un trou et je vais rester en dessous. Je pense que j'ai assez. Il me faut au moins 4. Si j'en ai 4, je suis bon. Si j'ai 4 chalumeaux, yes, c'est bon. Allez, c'est parti. On va faire comme ça. Et je vais me mettre là. Comme ça, l'autre il va faire trouillard. Raté.
Si tu n'as pas le double, tu joues A car tu as un PC pour AV. Non, pas du tout. L'indice de performance, je suis à 7,9, je crois. J'ai une GeForce GTX 980, j'ai un processeur i7. Eh, je vais pas faire malin, mais mon PC est pas mal. Re Musica, comment va? Une config PC de l'amour. Ça, c'est des beaux cadeaux pour madame, ça. C'est de très beaux cadeaux à offrir à madame. Est-ce que je vais pas récupérer de la vie d'abord? Je pense qu'il faut, il faut la faire en plusieurs temps, ce truc. Voilà. On a le temps. On a 4 minutes. Voilà, je me mets là, je m'installe. Et après je le bute. Je pense qu'il faut prendre son temps. Faut pas trop se speeder sur les dernières missions. Faut la jouer. Tu vois? Cerveau qui. Là. Marmelade. En plus j'ai du café, ça aide à réfléchir. Avec un peu de chance, lui, il va buter son pote. Dommage. Oh, puis en plus il y a de la vie là. Vite. D'accord, voilà. J'avais bien raison, faut pas se presser. Il y a de la vie partout. Donc il y a moyen de survivre à peu près toutes les galères. Donc lui, il faut que je le pousse deux fois. Et merde, quel con. On va, tiens, attends. Voilà, on va se faire chier, t'es mort. Allez, moi aussi, je suis mort. Mongolo. Bah écoute, pour l'instant, ça marche bien. Et de toute façon, j'ai trouvé la combine. Enfin, la combine. On peut pas appeler ça la combine, mais en gros, quand la connexion bug complet, je redémarre la box, le PC, je relance, ça passe. Donc, si jamais ça doit bugger, on fera comme ça. Mais bon, il est possible que ça ne le fasse plus. Je sais pas, on va voir. Bigger no time. Exactement. Très bonne émoticône. Excellent emoji. The emoji. Oui, faut y croire, là. Faut y croire. De toute façon, je finis le jeu ce soir, c'est décidé. C'est décidé, ce soir le jeu est torché. On va pas tortiller du fion, on va torcher le jeu. Est-ce que je perds moins de vie en faisant ça? 26. Ah oui, peut-être. Non, la connexion 4G, c'est génial. Mais j'ai toujours ce souci à un moment donné. Ça va bugger complètement, donc je sais pas si c'est mon PC, la 4G ou les deux en même temps ou un autre truc, mais... Après t'es où, je peux balancer à 20 gigas secondes, quoi. Donc ça, à ce niveau-là, c'est cool. Mais par contre, quand ça a décidé de bugger... Ah, ça bug, ça cherche pas à comprendre. Hein. Si c'est un Denis Brognard, je regarde pas. Bon, allez, si, un petit Denis Brognard. J'en étais sûr. Un petit Denis Brognard de l'amour. Ouais. Ah, moi, celle que j'ai de carte graphique, elle est parfaite. Hein. J'ai pas besoin de la changer. Hein. Je la changerai que comme d'hab dans 5 ans. Tous les 6 ans, quoi. Tous les 6 ans, je change de PC. Je mets le prix, mais au moins, je suis tranquille. Je suis tranquille, quoi. Mais quel mongol. Ça peut marcher. Une 680 GTX. Ouais, bah voilà, tu vois, mais c'est une 980 GTX, quoi. Donc si la tienne elle fait marcher tous les jeux récents, je suis tranquille, quoi. Les titans. Le choc des titans. Attends, il va attaquer alors qu'il y a son copain à côté. What a joke. Laisse-moi tranquille avec ton Denis Brognard. Ah,
Ah, si je laisse appuyer, je prends moins de dégâts. Enfin, je prends moins de dégâts total. Parce que l'autre, il vole plus. Donc je prends pas double petit dégât, je prends un dégât moyen. Allez, vas-y, attaque aérienne, ça te fait plaisir. Ah, peut-être pas. Je vais peut-être pas prendre 31. Peut-être prendre 46 plutôt, ouais. Faire les cabanes. Faire les cabanes. Ok. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien, les cabanes. De quoi? De m'enfoncer? De m'enfoncer pour me défendre? Parce que là, j'ai pas suffisamment d'objets. Ah, ou alors j'ai peut-être une idée. Si le mec je le crame mais que je descends pendant que je crame, peut-être que je prendrai moins la max. On va tester comme ça les petits potes. Eh non mais quel con. C'est un YouTube poop de Denis Brody. Ah d'accord. J'ai presque plus de tabac de sa mère. Pourquoi je sens que ça va être un Denis Brognard encore, ça, Hyperion? Bon allez, je clique de confiance. Très bon. Très bon ça, très bon. Et pour l'instant là, je prends la max. Évidemment. Allez, tiens, tu paries que c'est encore un Denis Brognard. Attention, Denis Brognard. T'es défoncé. Ah non, non, je l'ai vu, ça, c'est n'importe quoi. L'autre, il lui met des clacasses, quoi. L'autre, il lui met des clacasses, quoi. T'es défoncé? Non, sergent chef, bim. T'es défoncé? Non, sergent chef, bim. Mon gars, il met des rafales de phalanges. J'aimerais tellement pas être avec à sa place. Bon, en même temps, je suis pas assez con pour aller à l'armée. Hein. Les amis militaires, je vous salue. Hein. J'ai de la famille dans l'armée, donc j'ai le droit de me moquer. Non, non, le top, c'est vraiment Full Metal Jacket. Le sergent de Full Metal Jacket, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Comme on disait à l'époque, c'est le meilleur toute console confondue. Ça se dit plus, hein. C'est le meilleur jeu toute console confondue, quoi, ok. C'est Sonic Rider le meilleur, voilà. Pas peur de le dire. Mais quel con, putain. Ah oui, il met des bonnes clacasses, bon, ça mérite en même temps, quoi. Mec, tu vas pas à l'armée pour te bourrer la gueule, quoi. Salut Shadow of Life, bienvenue. Installe-toi confortablement. Loading, please wait. At your service. Ah, j'y crois mort. On va le finir ce putain de jeu. On va le finir ce Worms. Ouais, je vais tenter de m'enfoncer en même temps. Non, tout droit c'est le mieux. Yo Tonf, comment on va? Ah, j'ai commencé très mal en plus. Hein. Il est de base un sergent instructeur. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Putain, mais mon cul est un geyser là. C'est chaud. C'est tellement chaud. Je vois tellement pas d'autres solutions, quoi. J'ai faim. Il faut manger. Il te faut manger.
Bon, il reste 9 missions, ça va, ça doit le faire. Une fois que j'ai trouvé comment faire, ça va vite, hein. Une fois que j'ai trouvé la technique, c'est bon. Mets-toi à l'abri sur là pour que le mec tue son pote. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas, ils ont pas l'air de flipper, quoi. Après, j'ai les freeze. À la limite, ouais. Ah bah tiens, putain, puis j'en ai 4. T'as trop raison. Mais non, mais quel con. T'as trop raison, c'est clair. Je me mets à côté des ennemis et je me mets en freeze. Je me mets en freeze. Comme ça, je sais que je me fais pas toucher, moi. J'ai 4 freeze. On va le tenter. On peut déjà tenter d'utiliser 4 freeze. Et après, je récupère de la vie pour essayer de les buter normalement. Et j'aurai déjà un petit pécule supplémentaire de vie. Belle idée, ça. Belle idée. Ça me plaît. Ouais, j'arrête de faire le mongolo. Est-ce que je peux me freeze en sautant? Je sais pas. Par contre, est-ce que je peux me freeze quand je suis sur... quand je suis là-dessus? Ah oui. Ah non, je peux pas. Ou alors je lâche. Merde. Eh merde, mais quel con. Quel triple con, on recommence. Pourquoi je sens le Denis Brogna? Ah oui, inspecteur Harry. Très bon, ça, inspecteur Harry. Là, j'ai pas vu le dernier Clint Eastwood encore. Faut que je le vois. Faut tellement que je le vois, quoi. Ouais, d'ailleurs, tant que je vois que le truc apparaît sur le chat, je commence à balancer les VOD. J'essaie de faire des montes, enfin, de faire des coupures quand il y a des pauses et compagnie pour que ce soit. Pour que ce soit lisible. Bah, du coup, je balance les VOD des premiers épisodes. Là, il y a jusqu'à Overblood 2, je crois, sur YouTube. Si jamais vous avez loupé des trucs et que ça vous intéresse aussi, évidemment. Mais non, mais mongolo. Explique. Tu as 30 minutes. Je veux tes bottes, ton blouson et ta moto. Alors, soyons malins, soyons malins. Ça mérite un time-out de 1 seconde. Je sais pas faire les time-out, les machins. Moi, tu sais, à part jouer et dire des conneries, je sais pas faire grand-chose. Enfin, si, faire de la musique, sauver des vies. Ah, oh, si, en fait, je suis pas mal, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis pas mal, ouais, d'accord, c'est bon. C'est bon, d'accord, j'ai compris, je suis pas mal. Le taunt de la motive, de quoi? Terminator. Ah oui, Terminator, oui. Donc du coup, je me mets là. Bah oui, non, vite, toi, vite. Voilà, hop, trouillard. Le taunt, fais voir. Ah oui, maintenant ça va chier. C'est très bon, ça. Maintenant ça va chier. C'est juste parfait, ça. Ah mais du coup, ils ont peur. C'est pas grave, on refait. On les utilise. Voilà, de toute façon, il y a de la vie qui va arriver. On va commencer à récupérer de la vie. Ah oui, c'est vrai que je suis juif. Mais Jésus aussi, donc ça va, ça passe. Ça passe. Depuis les météores à celle-là, c'est la troisième map, je crois. Ouais, c'est la troisième map, celle-là. Ah. Je trouve ça bien thématique, c'est-à-dire. Voilà. Et je me mets là. Ah merde, j'aurais dû rester dans l'arbre. J'aurais perdu un tout petit peu de vie.
Mais je sais pas faire les taux. Bah, y'a Yoichi, c'est toi le modo. Il me fait marrer ce mec. Il est fou, c'est lui le modo, encore il a. Ouais, c'est vrai que ça mérite un time out, les gars, quand même. Mais c'est pas le bon qui a été time outé. Mais non, mais il ne respecte rien, ce Yoichi, il ne respecte rien. Ah, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée d'utiliser les freeze. Parce que moi, ça les a un peu. Ils savaient plus quoi faire, quoi. Donc là, du coup, je vais pouvoir. Ah, attends. Qu'est-ce que je m'emmerde? Ouh, j'aurai peut-être pas le temps, j'aurai peut-être pas le temps. Vite, 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 vite. J'y crois à mort. Allez, une foule en délire qui lance des bigorneaux. Mais quel con infini. Il y a bien ta moto au hasard, je suis en plus. Oh là là, mais c'est le modo dissident, quoi. Yoichi, quoi. Ah, l'équipe, quoi. T'as chez. Non, mais je suis bien entouré, moi. Ah, je risque pas de me blesser. Ah, impeccable, hein. Je bave plus, moi, depuis. Puis, de toute façon, je me suis raté aussi, donc. Les bigorneaux morts de la poussière. J'y crois à moi. Bon. Utiliser le freeze, c'est pas mal. J'ai utilisé le freeze comme ça. Dès qu'il se barre un petit peu des mines, je les bute avec le chalumeau de manière classique. Plus malin avec tes mains. Beaucoup plus malin avec tes mains. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Je mets deux. Je te mets deux. Ce qui est bien, mais pas top. Et vite. Très bien. Que va faire assassin? Fais plus trop le malin. Oh, quel enfoiré. Quel enfoiré ce cas-là. C'est vraiment un sale cas-là. Ah oui, trouillard. Évidemment, trouillard. Allez, on refait un freeze. Ouais, c'est vrai que normalement un vrai chalumeau tu crames tout là. C'est des grands vers quand même, parce que t'as vu que par rapport aux arbres, c'est limite ils sont pas plus grands que nous. Tu regardes comment ils sont par rapport aux arbres ou lapin. Ah non, au lapin. Putain, le lapin est énorme en fait. Ton chat te pissait dessus. Excellent. Excellent. C'est normal qu'il ait pas envie de te faire des câlins. Et comment tu parles? Voilà, je vais rester là-dedans, ça devrait bien se passer. Déo et briquet. Je ris de confiance. Ouais, c'est ça, salut. Ouais. Quoi, ça c'est un buisson? Et la maison alors c'est quoi? Coquin, va. C'est à qui de jouer? Ah, c'est à lui. C'est à lui de jouer. Ah, lui, à la limite, si je mets un coup de chalumeau, il tombe. Ça, c'est cool. Il va me péter la vie. Il va me péter la vie. Foiré. Calice. Colesse. Mais non, mais. C'est pas grave. On reste tranquille, tout va bien. J'avais droit à un chalumeau bonus, c'était celui-là. Oh bah c'est une mini maison aussi hein. Parce qu'en plus il est censé être en retrait. Donc il doit être immense. Il doit être immense ce lapin. C'est à qui de jouer là, il est où? Allez joue. Bute ton pote. Voilà, bute ton pote mon golo.
C'est bon, tu peux stream. Ah, c'est bon, donc ta connexion elle remarche ? Oui, elle remarche pas. Ça en est où au niveau de la cour là ? Je comprends plus. Je ne te comprends plus. Est-ce que je vais arriver à temps à aller voir l'autre assassin ? Le lapin il arrive à nous voir qu'il détruit tout. Putain, ouais, c'est clair. C'est clair. Ah oh, merde, il m'a touché. Il m'a touché, j'aime pas trop bien ça. Tu vas le regretter. Ah, grave. À vos ordres. Oh oui. Mais quel con! Oh, je suis dégoûté, j'étais bien parti là. Et puis lui va faire une attaque aérienne, évidemment. La base, quoi. Ah non! Ah, bah j'ai peut-être pas perdu là. Ah, mais non, mais s'il vise trop bien, les mecs. Ah, moi ça! Ah, moi ça! Oh, le déposer jeté, quoi. Mais je suis pas mort. Il me reste 3 cordes. Non, si, c'est bon, c'est jouable. Allez, j'y crois, mort. J'espère que je l'ai buté. Je vais me mettre là, tranquille. Tu vas le regretter. C'est bon. C'est bon. Salut. Si je mongolise pas, on a gagné. Ah, j'ai déjà plus de café là, je suis dans le mal. Je suis dans le mal absolu. Décède. Faut pas qu'il pète la vie. Ne pète pas la vie, salaud. Cool. Cool, cool, cool. Allez. Donc là, c'est la victoire. C'est le moment où on gagne. C'est le moment où il y a la musique de Happy Days, quoi. Mal placé, mal placé. Putain, je commence à gérer. Je commence vraiment à gérer le... Eh merde. Oh, je suis dans le caca. Je suis dans le caca. J'avais pas vu qu'il était aussi près de la mine. Putain, y a pas de la vie qui traîne là. Parce que là, je suis dans le shit là. Là, je suis dans le serious shit. C'est quoi? Je vais me cacher. Je vais me cacher en attendant qu'il y ait de la vie. Zut. Double mort, ça réussit. Ah putain, double mort, ça réussit, mais oui. Donc c'est bon, on a gagné. Donc c'est bon, on a gagné. Surtout que là, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Donc à la limite, je vais me mettre sur sa tête. Et je vais l'embêter un peu. Vas-y, fais un truc, fais-moi rêver. Parce que là, j'ai plus d'armes, hein, de toute façon. Donc j'ai gagné. Oh là là. Oh là là. J'ai gagné, j'ai pas gagné. Bigorno, pas bigorno. Bigorno, pas bigorno. Et une foule en délire lançait des bigorneaux. Ok, Super Emotion Man of World War. Oh, Jim, that's up to you.
Intercept and plunder its precious cargo. Capture their cargo and they're sure to strike the colors. Your cap, Warmbeard. Ok, très bien. Faut que je capture le cargo. Donc le... Enfin le... Comment ça, pas Bigorno? Bigorno, mon gars. Double Bigorno. Double KO, quoi. Sur une musique de Jean-Pierre Madère, tu vois. Macumba, elle danse tous les soirs. Alors attends, fais-moi rêver. Oh, ça me plaît ça. À l'abordage. Est-ce que je peux me mouvoir? Oui. Est-ce que j'ai... Non, j'ai rien du tout par contre. Donc on va essayer d'avancer au maximum, on va voir ce qu'on peut faire. Donc le but c'est de récupérer les objets, hein. On s'en fout de les buter ou quoi. Et surtout c'est de récupérer un maximum d'objets. Yes. Tout ça évidemment passe. Vous êtes dur avec moi quand même, ça mérite un bigorneau quoi. Un bigorneau de bronze au moins. Oh bah attends, t'es marrant toi. On va reculati. Et ensuite il faut en avoir un là et un là-haut. Oh à la limite j'en envoie un au milieu. Et si j'ai des chalumeaux c'est bon. Votre colin, avec ou sans patate? Sans patate. T'es un ouf. Une foule en délire lançait des bigorneaux kappa. Merci Hyperion, mais t'es un ouf. T'es un ouf. Des bigorneaux pour Hyperion, s'il vous plaît. Lancez-lui des bigorneaux, ils sont pour lui ces bigorneaux, c'est pas possible. La vidéo de ton pote là. Je suis plus sûr. J'ai vu une vidéo sur Gungeon, je sais plus si c'est ton pote. C'est sur une liche ou je sais pas quoi, hein, c'est ça. Ah oui, de toute façon, oui, je vais. Je pense que les sous que vous me donnez, qu'il faut absolument pas me donner. Bon, je vais pas pleurer non plus, mais oui. Je vais me faire la full set. Je vais me faire la full set. Du coup, Hyperion, il va y avoir ton nom sur pas mal de jeux. Chaque fois que je vais acheter un jeu avec ces sous-là, du coup, je vais être obligé de mettre ton nom, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, je sais pas où tu habites, Hyperion le Noir, mais prochain concert, tu seras mon invité d'honneur. Tu auras un pass VIP avec whisky à volonté et peut-être même des putes. Ça dépend où on joue. Si on joue dans un bon rock bar où il y a des meufs avec des belles seufs, tu seras mon invité. Ouais, mais je l'ai vu, ouais. Ouais, ça va, le mec il a du skills. Parce que moi j'adore jouer à Gungeon, mais j'ai pas encore la skills quoi. J'ai pas du tout la skills encore. Donne l'argent et ton goûter. Donne l'argent et ton goûter. Putain, c'est bon ça. Donne l'argent et ton goûter. Non, et l'argent du goûter. L'argent du goûter, faut dire. Alors, attention. C'est pas un souci, hein. Normalement en septembre, si on a fini les sessions studio et compagnie, en septembre on part en tournée, donc il y a de fortes chances qu'on vienne jouer dans le Nord et en Belgique. J'en reparlerai d'ici là, dès que ce sera fait. À ce moment-là, voilà, si jamais vous avez envie qu'on se rencontre, que vous écoutez un peu la musique que je fais aussi, et qu'on se boive une petite bière, une petite pinte ensemble, Je mettrai les dates et les endroits. Normalement, à partir de septembre, il y a des fortes chances qu'on joue un peu partout. Alors, je vais recommencer, je pense. Je pense qu'il faut directement y aller là. Il le fait presque tous les soirs en live. Tu m'étonnes qu'il est balèze. Ah oui, tu pars le 20 mars. Oui, mais tu pars dans Lyon. Donc je peux très bien... Il y a de fortes chances qu'on joue aussi dans Lyon. Si c'est sur le chemin. Si tu nous trouves une date, Hyperion, là-bas. Si tu nous trouves un endroit.
Enfin, plutôt un endroit, ouais. Après, moi, je vais gérer, j'appellerai, moi. Mais si une fois là-bas, tu trouves un endroit sympa, tu m'envoies ça par message et je peux le caler sur le chemin. Généralement, c'est comme ça qu'on fait, nous. Et merci, Mighty Grinch, pour le host. Généralement, on fait souvent comme ça. On a des contacts un peu partout et puis on leur demande s'ils ont pas des numéros ou enfin déjà s'ils connaissent pas des bars qu'ils aiment bien, des bars concerts ou des salles de concert qu'ils apprécient. Du coup de là on récupère les numéros, les trucs comme ça, on appelle direct, on cherche pas à comprendre quoi. Un week-end ou un soir. Ah bah de toute façon les concerts c'est le soir. Les concerts c'est à partir de 21h. Il y aura sûrement une première partie à 21h et puis nous on jouera à... J'ai un vent contraire, ça ne va pas du tout. Vas-y, reste tranquille, tu vas m'engueuler en plus. Le jeu est en train de m'engueuler, quoi. À la cigale, carrément. Honnêtement, si c'est chaud d'y jouer, je sais qu'on avait essayé d'y jouer il y a 3 ans. Une bonne salle de concert. Ah, est-ce que tu fais pousser la note, c'est ça? Tu veux que je vienne chanter dans ton micro pénis pour faire pousser la note? Coquin. Coquin va. Ouais, bon après faut pas se forcer. Hein. Moi je sais que j'aime bien. C'est dans ces moments-là que j'aime bien. J'aime bien rencontrer des gens, c'est cool quoi. T'es dans une bonne dynamique, t'as une bonne énergie. Généralement sur scène, voilà, je sais que c'est des bonnes soirées quoi. C'est des soirées de l'amour quoi. J'ai combien de parachutes? Je vais commencer par faire des troupes, parce que c'est plus mal. Non, si y a moyen de jouer à la cigale, Yoichi, moi je dis oui. Mais je sais que on joue pas comme ça à la cigale. Mais si jamais tu connais un mec. Mais je vous tiendrai au courant, ouais. Je pense que de cet été je commencerai à préparer. J'ai perdu là. Il m'a fait péter les cargaisons, j'ai perdu. Ah l'enculé. Ils ont le droit de faire ça là? C'est triché ça, on est d'accord. C'est haram. C'est pas bien ça. Sinon c'est facile. Tu commences la mission, le mec il se retourne, il fait péter une caisse, t'as perdu quoi. C'est sale. C'est sale ce qu'ils font. J'aime pas. J'aime pas du tout leur façon de faire. Alors pas du tout quoi, vraiment. Déçu. Déçu quoi. Alors vraiment, ouais, on s'armageddon, mais alors déçu quoi. It's sudden death. Oh, c'est de l'anti-jeu, c'est quoi de dégueulasse. Ah, on y croit. C'est bien Paris, moi je suis pas fan de Paris non plus, mais bon. De là à cracher dessus. Quoi. Mais c'est vrai que, comme diraient les inconnus dans je sais plus quel truc là, je préfère Toulouse. C'est trop speed Paris. Je préfère Toulouse. C'est plus tranquille. Ça fait marrer ce sketch là où ils font style d'être des... Enfin ils singent les groupes de métal quoi. Ouais. Je vais rester là, je pense que c'est plus sûr. Ouais, moi je vous te... Paris, je me rappelle d'une anecdote. C'est le seul endroit où sur le périph... Et pourtant on avait le minibus, enfin c'était un minibus, c'est un minivan en fait. Je sais pas si vous voyez, c'est un genre comme les Mercedes, les Vito là, les Viano. C'était un 9 places plus le matos. C'est quand même le seul endroit périph de Paris. Salut Mad Max, comment on va? C'est quand même le seul endroit périph de Paris où je me suis fait doubler sur la gauche et sur la droite par des poids lourds, chargés. J'étais pas bien, je faisais de l'huile. J'étais en train de conduire, je faisais de l'huile. En plus il était tard. J'étais pas au top quoi. J'ai connu de bien meilleures journées, quoi. Mais bon. Oh, tiens.
Ah, attends, on peut récupérer des caisses avec les super moutons. Ah non, mais c'est un mouton, ça. Pourquoi à chaque fois que je vois écrit Ship Launcher, je pense aux super moutons. Oh là là. Oh là là. Allez, je l'ai rapproché du truc. Merci qui? Merci qui? Ah putain, ça coule. Ça coule le truc au fur et à mesure, pas doux. Victime. T'as vu ça en Sicile? Ah ouais, je te garantis que t'es pas bien parce qu'en plus ils prennent leur temps pour te doubler. Bon, du coup, j'ai pas cherché à comprendre. Hein. J'ai lâché l'accélérateur, je les ai laissés passer quoi. Déjà, moi j'étais quasiment en excès de vitesse. Et un camion à gauche, un camion à droite qui me double à fond. J'étais là, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf quoi. Mais bon. Zigumza. Putain, mais il sert tellement à rien lui. Ah si, comme ça. Comme ça, ça devrait le faire. Je pourrais le sauver. Parce que là, on est en train de couler, on est d'accord. Bon, si, si, ça va être pas mal aussi. Parce qu'en plus, le mec, tu sais pas ce qu'il dit quoi. C'est stronzo, maricone. Et qui te crache à la gueule quoi. Ça me fait ça mais carrément. Ouais. Ouais, après je comprends entre guillemets. En manque de vérité, non, je comprends pas, c'est complètement con. C'est super dangereux ce qu'ils font. Mais après c'est vrai qu'à mon avis, il doit avoir un rythme de vie absolument absolument merdeux quoi. Donc je comprends à demi. Est-ce que je peux lui faire un trou? Putain, c'est dangereux ce que je fais, mais je vais le tenter quand même. Un peu haut. Un peu trop haut, je pense. Diablo 2, putain, ouais, il est cool. Diablo 2, je l'ai encore d'ailleurs. Je l'ai en plein de versions. Je l'ai en CD et j'ai dans une... clé USB en forme de corne qu'il y avait dans l'édition collector du Diablo 3. Elle est vachement bien cette édition collector. Ça fait partie des rares pour lesquels j'étais content de... Pour qui j'étais content de mettre 100 balles quoi. Généralement t'es un peu déçu, tu fous 100 balles mais bon tu t'y retrouves pas quoi. Ah putain merde, trop haut. Avec le sol recouvert de cendres. Ah bon, c'est quoi ces... Merde, j'ai perdu. Ah imbécile, t'es marrant. J'aurais pu utiliser celui à pompe, c'est vrai. Mais j'y ai pas pensé. Le sol recouvert de cendres. C'est-à-dire... Avec les cédos... Ouais, ouais. Contre Battle.net. Putain, il faudrait que je le réinstalle Battle.net. Ah, l'Etna, d'accord, oui. D'accord. Ah oui, t'es arrivé carrément pendant les... Pendant les mésaventures, d'accord. Ah ouais, là aussi tu vas faire de l'huile un peu, tu vas pas être serein quoi. Tu te réveilles, il y a de la cendre partout, tu dis bon. Ça sent pas bon pour mon cul ça. Mon cul va être un geyser. Bon, c'est bon, j'ai la technique. J'ai la technique, je vais me démerder comme je peux, mais j'ai la technique. Tu l'as en double? Ouais, moi aussi je l'ai en double du coup. J'ai Diablo 2 en CD, Diablo 2 en sucette USB. Ah, tu l'as en double en CD, putain. Ah, t'as la vieille version, la nouvelle. L'édition cartonnée, c'est ça. Ah bah après, une fois que t'as l'habitude, c'est pareil. Hein. Ah, c'est de la merde sur Battle.net. Ah, pas cool. Pas cool. Pas cool si c'est de la merde sur Battle.net. Non, je dis que j'ai pas de... Je n'ai point de fusil à pompe. Donc là, voilà, va falloir la jouer couillue. J'aime pas trop bien ça, quoi.
J'aime pas trop les menteurs et les fils de pute. Putain, il fait toujours les mêmes actions lui. Il s'emmerde pas. Il s'emmerde pas. À vos ordres. À mes ordres. Du coup. Ah, c'est moins cher qu'à la sortie, mais prends-le. Prends-le, franchement, le collector de Diablo 3, ça fait partie des rares trucs où je dirais prends-le les yeux fermés, quoi. Oh putain, j'ai perdu. Ah non, c'est bon. Ah oui, non, c'est vrai que ça explose pas n'importe comment. C'est bon, j'ai rien dit. Tout va bien. On peut faire des bigorneaux. T'as deux collecteurs de Diablo 3. Bien ouais. Vengeance. Oh, le dernier collector que j'ai eu. Putain, je sais plus. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris de. J'ai pas acheté quoi que ce soit donc. Je l'ouvrirai avec amour. Tu m'étonnes. J'ai quoi comme arme? Profitons-en. Putain, le handgun. Le handgun, quoi. Ouais, j'y crois à mort. J'y crois tellement à mort, quoi. Kalagan est déçu là. Là, Kala il va bouder. Il va bouder. Raté. Ah, il est complètement raté. Là. Ah, si, pile. Putain, génial. Tout pile. Et en plus je peux y aller en parachute. Du coup je vais avoir deux mecs pour récupérer les objets. Ça devrait le faire beaucoup, beaucoup plus facilement. J'ai l'air fin. J'ai l'air fin de le faire au flingue, mais je préfère le faire au flingue. Quoique c'est un peu con. Les boîtes cartonnées normales de Diablo 3 sont. Ah, il y a des boîtes cartonnées pour Diablo 3 à l'ancienne. Ah putain, ça va être collector ça. Ça va être ultra collector. Ouh, j'aime pas trop bien ça. J'aime pas trop bien ça. Ah non, si c'est bon. C'est parfait. À vos ordres. Alors. J'ai tellement pas confiance. Je vois pas d'autre façon de le faire. Hein. À part par au-dessus, peut-être. Mais non. Trois quarts des jeux Blizzard sont en carte. Ah non, les derniers, ils sont plus en boîte cartonnée. Hein. Moi, je n'en ai pas vu. Hein. Les derniers jeux Blizzard, là, en boîte cartonnée, j'ai vu The Bee. Hein. Vengeance. Putain, l'Xbox 3.6, je l'ai pris pour 5-6 jeux, quoi. Je l'ai prise ouais, vraiment pour 5-6 jeux quoi, c'est honteux. On va les buter un peu parce que j'ai pas confiance. Vengeance. Oh là là. L'Xbox 360, je l'ai prise pour le tell-off. Le tell-off qui était une exclue européenne. Infinite Undiscovery, Last Remnant, Left 4 Dead.
Je rate si j'arrive à l'école. Star Ocean aussi, pendant un moment il était exclu. Après il est ressorti sur PS3. Mais ouais, j'ai acheté la Xbox 360. J'ai joué 6-10 jeux maximum. Ah oui, j'ai joué au Gears 1 aussi, ouais. J'ai joué au Gears 1 que j'ai plutôt bien aimé. C'était pas violent, mais c'était pas mal. C'était pas violent, mais c'était pas mal. Ah bah donc c'est une boîte plastique. C'est un boîtier classique comme moi, quoi. La série Halo. Halo, j'y ai joué vite fait. Et je me rappelle qu'on m'avait prêté le 3 là, il me semble que c'était le 3 hein, sur Xbox. Sur Xbox 36. Ouais c'est ça, c'était le 3 sur Xbox 36. J'avais pas aimé du tout. J'avais pas aimé du tout là. C'était pas ma chope de croc comme on dit. T'as les techniques merdeuses pour récupérer les coffres. Oh là là. J'ai honte. Hein. J'ai honte. Muscle sur 20, c'est clair. Gears of War, c'est musclé sur 20, quoi. Pourquoi t'as pas pu jouer au... Putain, je suis mort. On remarque, ça m'arrange, comme ça je peux jouer qu'avec les mecs en bas, ça ira plus vite. Pourquoi t'as pas pu jouer au 4? Putain, j'ai intérêt à me speeder moi par contre. Judge Hype, encore un de Battle Chest. Tu vois? Je vais acheter un petit coup d'œil vite fait. Ah bah si, je l'ai ça. Ah non, je l'ai pour les Starcraft. Les Starcraft, Starcraft 2, j'ai pas voulu prendre. Ah oui, t'as pas de Xbox One, d'accord. Oui, forcément, mais je suis con aussi. Sauf que si t'as pas de Xbox One, bon, l'intérêt est un peu faiblard. Oui. Oh oui, j'y crois à mort. J'y crois à mort, les copains. De toute façon, j'ai pas trop le choix que d'y croire. Parce que là, ça va être chaud. Ça va être très, très, très chaud. Je crois que je vais essayer de le faire péter au. La suite, je vais la faire péter au lance-missile. Parce que sinon, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Wow, puis les mecs, ils commencent à claquer comme de rouge. Ah non, c'est bon. Oh le con. Ah puis là aucune chance que je le sauve. Alors, attends. Dans ce cas là je vais essayer de lui ouvrir le chemin. On va commencer par ouvrir ici. Gears 4. D'accord, ouais. Ouais, moi ça m'intéresse pas du tout. Le premier était sympa mais j'avais pas spécialement envie de jouer aux autres, quoi. Bah c'est un petit peu comme Uncharted, je les ai fait parce que j'avais l'occasion de les faire. Mais bon, à part le 2, les autres, ils sont pas indispensables. Hein. Putain, ils tombent tous à l'eau. Là. On est dans le mal absolu. On est dans le mal absolu. Quoi, je peux pas avancer. Je peux pas avancer. Au moins je peux avancer maintenant. Swallow, ça veut dire aval. Petite info comme ça, c'est cadeau. You're coward. Oui, là non, mais je suis d'accord après. C'est le genre de jeu en multi
En multi, bon délire. Pourtant, il était pas dans le rayon d'explosion. Il n'était absolument pas dans le rayon d'explosion, non, mais d'accord. Ah mais attends, mais je peux poser des poutres, mais quel con. Mais quel mongolo, je peux poser des poutres. Donc je peux creuser plus haut au missile, poser une poutre pour y aller. Je gagnerai un temps fou. Diablo 1 PS1, non arrête, il est super chaud le Diablo 1. Cum, avec le mot cum. Avec le mot cum. Bravo. Uncharted 2, Uncharted 2 j'ai trouvé vraiment excellent. Enfin, du moins au niveau du rythme, il était vraiment bien. Même si je trouve que les gunfights, ils sont complètement pourris. Même dans le 4, d'ailleurs, ça va changer. Hein. Les gunfights dans ce jeu-là, dans l'Uncharted, ça pue du cul, quoi. Autant l'explo et tout, c'est génial. Le côté Tomb Raider version 2.0, c'est juste parfait. Autant, mais alors les gunfights, c'est... J'aime pas du tout, quoi. Heureusement que je joue pas pour ça. Hein, parce que... Ah, voilà la déception, quoi. Alors. Ah, j'y crois, mort. Je me mets là. Et le truc, je le fais péter super haut. Voilà. Comme ça, j'aurais plus qu'à y caler une poutrelle. Et pendant ce temps-là, avec les autres, je fais tout péter. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais utiliser un Worms pour avancer, un Worms pour tout faire péter. Ou deux. Deux et deux. Ah ouais, putain, c'est du bon... C'est du bon défi, ça. Vétéran et dément. Moi, j'y ai joué en normal. Hein. J'ai joué en normal. Et déjà, j'étais pas très fort. Déjà, j'étais pas un tueur, quoi. Moi j'aime bien certains jeux bizarres. Non, attends, j'essaie de trouver un jeu bizarre que j'aime pas en même temps. Et je crois que j'ai pas trouvé. Ah oui, j'ai touché les deux. Je te ferai la peau. Ah, tu me feras la peau, mais plus tard. Pourquoi t'as un CD Far Cry 2 dans ton boîte? Parce que tu ranges mal. Tu sais pas ranger tes affaires. T'es un gros dégueulasse. Enfin. C'est ce que dit la Vox Populis. C'est pas moi qui le dis. Hein. Mais bon. D'après les rumeurs, il se pourrait. Il se pourrait. Avec le bot qui se faisait buter. D'accord. Vengeance. Bon, après, moi, c'est ce que je reproche un petit peu à Microsoft. C'est que. Combien j'ai de poutres? Ah, j'en ai l'infini. J'ai des poutres à ne plus savoir qu'en faire. Ce que je reproche à Microsoft, c'est que. Souvent, les jeux à licence sont finis, avec les pieds. Sont finis à la pisse, on peut le dire. Et bon, tu me diras maintenant, tout le monde fait pareil. Ubisoft, même, c'est encore pire que Microsoft. Mais t'es obligé d'attendre 40 patchs pour avoir une IA solide, enfin, pour avoir une vraie expérience de jeu, quoi. C'est super chiant. Perdu ton CD lors de la destruction. Bravo jeune homme, bravo. Excellent, excellentissime. At your service. Attends, je fais ça après. Sentient, je vais pas aimer. Oh, il y a peut-être bien mention, il y a moult jeux, je pense que je vais pas aimer. Hein. Mais je vais aimer le challenge, je vais aimer le défi. C'est ce qu'il faut se dire. Enfin, moi, c'est ce que je me dis, en tout cas. Pour me rassurer à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce que je me dis. Donc, la coop en dément. En vraiment qu'on pote joue. Faut pas jouer qu'un Jean-Kevin. Putain, oui, Jean-Kevin. Je crois que ça se disait plus, les Jean-Kevin. C'est bon, ça. Les gens Kevin. Faut
Fuego, ça veut dire feu. Salut One Weird Trick et salut Reiju Luciferus. Bienvenue, installez-vous de manière extrêmement confortable. On sait jamais. De pouvoir stream ça en coop. De quoi les. Moi je les ai pas les Gears, c'est ça le problème. Moi j'ai pas de. J'ai pas de Gears sur. Sur Xbox. I have no Gears. On my Xbox. Mais mille ans à réfléchir. Ouais, Ubisoft, c'est la saga de la honte. Il y a eu un moment donné, pour prendre un bel accent, un moment donné aussi. Ah, je crois que tu voulais qu'on le stream en coop, d'accord. Oui, non. D'accord. J'ai pas compris. Dizouli, je comprends pas. Je le comprends pas. Bon, allez, on torche le jeu. Attention, ça va chier, je suis chaud comme du chocolat chaud. Pourquoi t'as des... Qu'est-ce qu'il se passe, Kalagan? T'as des parts chez Ubisoft? Tu touches des royalties chez Ubisoft? Oh, il y a moult licences qu'ils ont niqué Ubisoft, hein, soyons sérieux, quoi. Moi, j'ai pas peur de le dire, moi, je le dis. Moi j'ai bien aimé le premier, bon parce qu'il est arrivé, c'était le premier, c'était cool, c'était un peu hype, même si c'était perfectible. La saga Ezio, je la trouve vraiment excellente, à part un épisode qui est l'épisode de trop, qui est super chiant. L'épisode aux États-Unis, c'est de la merde. L'épisode avec les pirates, c'est génial, mais c'est pas un Creed quoi. C'est pas un Creed. Enfin si, mais enfin je sais pas comment expliquer quoi. On va faire ça, comme ça on pourra quand même prendre les deux. Ah oui, l'affaire South Park. Eh oui. Eh oui, l'affaire South Park, évidemment. L'affaire South Park, putain. C'est clair, putain, ça fait chier. Ça fait chier, quoi. Alors que tu me diras, j'ai toujours pas fait le premier, moi. Je l'ai, là, il traîne, j'ai toujours pas fait, quoi. Bon concept de streamer en coop. Ouais, carrément. Oui. Il n'y a pas de mauvais. Je pense pas qu'il y ait de mauvais concept. Si tu fais vivre le truc et tout, ça passe. Après, il faut voir si le jeu intéresse et compagnie. Moi, je sais que c'est le genre de truc qui m'intéresse moyen, mais bon. Si le mec, j'aime bien ce qu'il fait et compagnie, je regarde. Un bazook. Je vais tirer comme. Oh, quoi que, j'ai déjà niqué mon Joker. Non, j'en ai marre des Joker Safety. C'est pas bien. J'ai... Ah, ça va le faire. Ça va le faire. Il suffit que je retire au même endroit et c'est bon. Je pense qu'on va le fumer ce niveau. On va complètement le fumer le niveau. On va être refait. Complètement. Mauvais concept, c'est mes streams. Mais tout le monde t'aime, Kalagan. Tout le monde aime ton ton. Tu t'es tatoué. Nulla è reale, tutto è lecito. D'accord, ça c'est cool. C'est cool. Et moi je sais pas si vous voyez, moi j'ai deux tatouages sur l'avant-bras. Deux énormes tatous. J'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un sur le torse. Sur le torse. C'est vrai que je stream du Worms. Alors. J'ai tellement pas envie de prendre de risques. J'ai tellement pas envie de prendre de risques. Ça va être le moment de vérité là. Yo Jean-Luc, comment on va? C'est clair, c'est du fake. Tous les jours, je me les remets.
Tous les jours, j'arrive comme ça, je recherche. Je mange 50 malabar jusqu'à trouver les bons et je les remets. Pourquoi je te demandais de passer une musique le double? Oui, ça dépend laquelle, écoute. Vas-y, envoie, je te dis si oui ou non. C'est bon. Ah oui, ça va avoir le détour, ouais. Kala qui stream et qui dit des horreurs. Ça va être très drôle. Ah putain, je sais pas si j'ai bien fait là. On va voir. Un de moins. Je suis pas bien là, je commence à faire de l'huile. Alors, du coup, peut-être fort que j'essaie de les buter. Mais quel connard, je m'auto-suicide. Si près de la victoire quoi. Ah, en plus là si. C'est quoi? Attends, on va voir ce qui se passe. C'est quoi que tu me proposes? Sono y la morte. Alors attends. Je vais. Merci Scott pour le host. Des bisous. Ah putain, il m'en faudra deux. Attends, parce que là je prépare. Je mets celui-là déjà. Je mets celui-là là. Allez, speed-toi là. Putain, en fait, j'ai fait un cadeau là, j'ai fait une gouttière. Ah bon, ça va. Ça va, on s'en sort bien. Tu vas le regretter. À vos ordres. Putain, j'ai pas un truc de ouf là. On remarque, je vais tirer tout droit comme ça, je vais me faire une ouverture. Je vais me faire une fucking ouverture jusqu'à leur cul. Comme ça après, je pourrais bien les poutrer. Zut. J'y crois à mort, moi. Enfin, j'essaye d'y croire à mort. J'essaie de réfléchir à une technique qui fait qu'ils pourront pas m'agresser trop. Tu vas le regretter. Mais j'y crois moyen. J'y crois très très moyen, là. Alors, attends. Salut Rémi Camille, bienvenue. Installe-toi confortablement. Le fameux de Gustavo, ouais. Ouais. Le fameux. Enfin, fameux, je sais pas si on peut dire fameux, quoi. Mais... Je suppose que c'est moi, quoi. Douceur. Et douceur encore. Double douceur. En tout cas, soit le ou la bienvenue. Magie. Magie du pseudo, on ne sait pas. Androgyne, peut-être. Hermaphrodite. Tout est possible. Putain, j'ai plus de café. Au secours, j'ai plus de café, les gars, vite. Vite. Le Saint Bigorneau qui m'envoie des cafés. Je te ferai la peau. I will shoot you down. À vos ordres. Loud and clear. J'y crois à mort. J'y crois complètement. Boom. Raté. You missed. Allez, après c'est à moi, s'il me tue pas, je suis bien. Je suis complètement bien. Allez, merci pour le follow. Tu contribues à rendre le monde meilleur. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, j'ai mes alertes, elles mettent 1000 ans. Elles mettent 1000 ans à apparaître. Elles ont pas envie, quoi. La bienvenue, très bien. Très bien. Here comes a new challenger!
Ah oui, Yoichi, il est partout. Il est partout et nulle part. Maya sees a Giza. Ah oui, la musique. Et je meurs en plus. Et je meurs. On va mettre la musique. Vas-y, on va écouter ça pour voir. C'est quoi ce truc? Oh putain. Oh mon cul, un geyser. Ça y est, geyserisation de mon cul. Allez, on y croit. La même, mais en mieux. The same, but good. Ah, je sais pas ce que c'est, on va en écouter cul, hein. Un jeu bien sympa, mais bon, le but, c'est pas que les gens se barrent en courant, quoi. On va même baisser un petit peu, je trouve ça beaucoup trop fort pour moi. Ça fait mal au... ça fait mal à mes petites oreilles d'amour. Mes petites oreilles de l'amour et de la volupté. Bon, moi j'ai la technique. Maintenant je sais comment faire. J'y étais presque. J'y crois. Entre guillemets. Le problème, c'est que je peux pas trop mettre de musique comme ça de YouTube et compagnie, parce que du coup la VOD ça coupe complètement tout le son sur Twitch. Et après, quand je veux faire les montages pour envoyer sur YouTube, je suis baisé parce que j'ai toute une plage où il n'y a pas de son du tout, donc ça fait complètement dégueulasse et je suis obligé de le virer. C'est assez dommage, je dois l'avouer. Après, c'est vrai que je pourrais enregistrer en local, mais bon, j'ai la flemme. Quand tout le monde se démonte à coup d'épée, d'accord. D'accord. T'aimes bien les jeux de rôle comme ça, les petits roleplay avec les reconstitutions et tout. C'était extrêmement limite tout ça. Attends, maintenant la mode, c'est la reconstitution de l'apocalypse zombie. Una trompeta. Et la cicciolina. Ouais, bah je laisse juste la fin de la musique parce que je suis quand même un mec sensible. Ah ouais, c'est quasiment fini, c'est bon. On est sauvé. Bon, j'aime bien, c'est rigolo, mais à la limite, je veux bien la remettre une fois quand on jouera un truc genre médiéville. Là, ouais, je pourrais la remettre, ça peut être drôle. Allez, j'y crois à mort. J'y crois à mort, on va gagner, les copains.
Alors Rebby Camille, après je sais pas si tu connais le principe du PlayStation Maniac. À chaque fois que je commence un nouveau jeu, ça tire un viewer au hasard, le viewer choisit le jeu d'après dans la liste qu'il y a en dessous. Et le but, voilà, c'est que je termine ces 1402 jeux PAL. Les 1402 jeux de l'amour, évidemment. Alors attends, je mets pause vite fait. Non, pas deux fois, non. Qu'est-ce que t'as mis? Ah oui, ça c'est pas mal. Ça c'est bien ça, pour se mettre dans le. D'ailleurs, je trouve que la musique de Skyrim, elle ressemble vachement à ça. Il y a une musique de Skyrim qui est pompée sur le thème de Battlefield. Ça m'a fait rire d'ailleurs. La mort des hommes, d'accord. La chanson, vous écouterez un petit peu la chanson d'Ovakin. C'est un peu le même rythme, c'est quasiment les mêmes notes. En tout cas, c'est troublant comme ça ressemble beaucoup. En même temps, c'est un peu la même chanson. C'est une chanson guerrière et compagnie. Bon, c'est censé te pousser à tuer ton prochain. Ton voisin qui t'a rien demandé, tu vois. Mais bon, si tu peux l'embrocher au passage, ça arrange moult généraux. Lord Wolf a trépassé. Longue vie à Lord Wolf. Enfin, avec les bigorneaux. Avec les poissons et les bigorneaux. T'en foutrais derrière. Musique de Morrowind, ouais, elle tue complètement la musique de Morrowind. Je kiffe. Ok. Skyrim. Alors attends, est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là, c'est le Dragonborn. C'est carrément le Dragonborn, ouais. Ouais, bah, ressemble vachement les débuts de la musique de cette musique de Battlefield qui est pourtant plus vieille. Hein. Ça ressemble vachement à ça. Lord Wolf, il sert à rien. Oh l'agressif. Tu dis ça parce que t'es pas un ver. T'es pas dans ma team. C'est pour ça que tu dis ça. C'est parce que t'es pas dans ma team que tu dis ça. Essayer de moins l'incliner, pour voir. Et surtout de faire un meilleur trou. Un meilleur trou, c'est une vie sauvée. Ou deux. Et pas plus. Et pas plus. Oh non, pas plus. Bon, je finis cette map et je vais me chercher un café. Et en plus, ça fait 2 heures. 100 euros, je démonte l'ordre. Putain, Callaghan, quand t'es un ouf. C'est un ouf, ce Callaghan. Je fais de mon mieux, les gars. Je fais de mon mieux. Hein? Bon. Essayez de trouver un meilleur général que moi. Je suis au top, moi, je trouve. Moi, je trouve que je m'en sors bien, quoi. Morrowind. Ça encore, c'est les musiques du jeu vidéo, donc il devrait pas me strike. Hein. Ça va bien. Impec. Je te ferai la peau. I will shoot you down. Salut. Oh yeah. Cool. Je vais pouvoir commencer à essayer d'écraser les autres. Ça m'arrange beaucoup. Oh oui. Et 2 heures de stream et pas un seul bug. Je suis complètement refait là, je crois. Enfin, pour l'instant. Le top, à la limite, ce serait que la 4G elle crash toutes les 2 heures. Comme ça, j'ai même pas besoin de faire de montage. Je suis tranquille. Même pas besoin de faire de montage. Je récupère les vidéos de 2 heures à chaque fois, je peux les renvoyer.
Faut que je tire un peu plus sur la voilure, je pense. Faut pas que ça fasse un trou pour eux, parce que eux, après, s'ils ont un truc, je vais me péter la tronche. Et me faire péter la tronche, j'aime pas trop ça. Pas trop. C'est pas... Bof. Ton perso chargera à l'infini, c'est clair. Complètement maudit, le perso. On l'a déjà écouté, ça. On va mettre ça. Non mais je veux crash de manière intelligente. Merde, j'ai fait le con. Ça marche, Uichi, à plus. Des bisous. Et c'est à peu près la même intention, tu peux rejouer Battlefield par-dessus. Enfin, tu peux le jouer à la suite, en fait, c'est ça que je veux dire aussi. L'intention est quasiment la même, tu peux le jouer à la suite. Des bisous, Yoich. Et merci de passer. Pourquoi je dis merci? C'est mon modo. Enfoiré, pourquoi tu te barres? Reviens, j'ai plus de modo. Reviens, salaud, j'ai plus de modo. Oh putain. L'homme geyser. L'homme au cul en forme de... Enfin aussi qui en forme de geyser. Salut Codéine, comment on va? Ouais, je vais mettre moult musique. Ne vous inquiétez pas. Il faudrait que j'arrive à jouer en même temps quand même. Ce serait pas mal aussi. Ah putain, je peux peut-être y aller direct. Maintenant que j'arrive à jouer comme un PGM, quoi qu'en disent certains. Et une foule en délire lançait moult bigorno. Ah et c'est bon, on arrive à la fin. On est bientôt à la fin. Oh putain, je casse tout, c'est n'importe quoi. Succès. Voilà, je recule un peu. Comme ça. Oh, elle est pas mal cette mission. Mission 36. Encore 6 missions. 6 missions. Allez, je vous laisse avec ça. Je vais me chercher un café vite fait. Je vais mettre la musique de Morrowind et puis après je vous mettrai un autre truc. En plus, ça dure une heure. T'as mis une heure de Morrowind, quoi. Donc là, j'ai largement le temps d'aller me chercher un café, quoi. Le con. Enfin, moi. Une qui est bien, c'est Two Steps from Elders of Courage.